Good morning, Aliden, et tu seras aujourd'hui le Renishmat, Mozo Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah bat Chana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que de Rufuat, Sarah bat Betir Rivka, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Menachot, Perek Yud Aleph, Mishnah Aleph. Shtei Aleichem Niloshot Achat Achat, Veneefot Achat Achat. Lechem Apanim Nilosh Echad Echad, Veneefa Shnaim Shnaim. Ubitfus Haya Ose Otan. On commence à partir de ce perek, on commence à parler d'un sujet qui va être les jetés à l'échem et l'échem à panim. Surtout le l'échem à panim, on va commencer d'abord à résoudre, à parler du jeté à l'échem. Jeté à l'échem d'abord, on en a déjà parlé longuement. Il y avait à Pessah, on faisait la minchat à Omer, on apportait les prémices de l'orge. À Shavuot, on a porté deux grands pains, chametz, deux grands pains, c'est ce qu'on appelle la misa de Shte Alechem. On a déjà eu l'occasion de voir comment faire, en balançant avec les Shlamim, Shalmet Sibour, ça se trouve qu'à Shavuot. Et donc c'est la misa de ce qu'on appelle Shte Alechem, les deux pains. Il y a par ça une deuxième mitzvah à faire avec des pains, cette fois-ci, qui ne sont pas chametz, qui sont matzah, toutes les semaines, c'est la mitzvah du Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, il y avait au Beit HaMikdash une table avec d'étagères pour en fait supporter comme ça, il y avait 12 pains, 6 pains et 6 pains, et il y avait tout un rituel que Bezant Hachem, on va apprendre longuement dans ce Perek qui va entrer dans tous les détails, Bezant Hachem de ça, d'accord. Pour le moment, on va commencer à parler de manière générale, en nous disant, Shte Alechem, les deux pains de Shavuot, quand on dit Shte Alechem, les deux pains, c'est les deux pains de Shavuot, d'accord. Shte Alechem, Niloshot, Achat, achat, il faut les pétrir une à une, c'est-à-dire, il y a une quantité que chaque pain doit faire, deux issaron pour chaque pain. Un issaron, c'est Asirit Haefa, un dixième de Haefa. Souvenez-vous, Asirit Haefa, un issaron, c'est la quantité de Chala. 1,660 kg ou 50, je ne sais pas pour les Sfaradim, 2,5 kg pour les Ashkenaz. D'accord. Chaque Chala, elle avait deux issaron, donc le double, ça fait 3,5 kg. Ou bien ça va faire 5 kg de farine. On fait comme ça deux énormes chalotes. Ça va faire des chalotes comme pour les admourim ou dans les britmélas, des fois on voit il y a des chalotes comme ça gigantesques. Ça fait à peu près, mettez 5 kg de farine, imaginez à quoi ça ressemble. Ça, c'est chacune des chalotes. La Mishnah m'enseigne que tu dois faire donc deux chalotes avec chacun deux issaron, donc quatre issaron. Et bien tu ne fais pas une très grande pâte que tu coupes en deux. Non. Tu fais deux indépendamment et deux indépendamment. Deux issaron indépendamment, deux issaron indépendamment. Et comme ça, tu vas former les deux pains. Donc je reprends. Shte alechem niloshot achat achat. Les deux pains sont pétris une à une, chacun de son côté. Vene efot achat achat. Et tu les feras cuire aussi une après l'autre. À la différence de lechem apanim, les pains du Shabbat, les 12 pains. On les appelle lechem apanim. On apprendra pourquoi. Parce qu'ils ont une forme particulière, comme s'il y a deux faces qui se regardent. On expliquera dans quelques secondes. Déjà une première notion. Mais pour l'instant, je finis ce sujet. D'abord, l'Echem Apanim, Nilosh Echad Echad. Donc, le pain du l'Echem Apanim, le pain qui a les deux facettes, Nilosh Echad Echad, il est, lui aussi, pétri un à un. Il y en a 12, donc tu fais chacun indépendamment. Mais par contre, Veneefa Shnaim Shnaim. Quand tu les fais cuire, tu les mets deux par deux au four. Et tout ça, le Bartanoura, il nous rallonge en nous rapportant des psukim. D'un côté, tu me dis, une chala. T'insistes que tu me dis, chacune des chala, elle doit être deux, donc chacune doit être indépendamment. D'un autre côté, quand tu me dis de les rentrer au four, pour le lechem apanim, tu me dis, samta otam. Tu le mettras en otam ensemble. Donc ensemble, au four, je déduis que ça doit être ensemble. Et on fait une différence. Donc il y a une différence sur ça. Comment faire cuire pour les deux pains de Atzeret, de Shavuot. Tu les fais cuire chacun indépendamment, pétri et cuire chacun indépendamment, et les 12 pains de Shabbat, tu les fais chacun indépendamment pour les pétrir, mais pour les faire cuire, tu les mets deux par deux. Ok. Maintenant, la Mishnah va commencer à me raconter un petit peu plus comment Ubi tfus aya ose otan. Il le faisait avec un tfus. Un tfus, j'imagine, c'est comme ce qu'on appelle en hébreu moderne un tfus. Je crois que j'ai vu qu'il y en a qui disent... Ouais, il y a une deuxième version, un machin qui dit un tfous, comme ce que nous on utilise à notre époque. Un tfous, c'est l'impression. La tfous, c'est tout simplement une forme. Regardez Rachid d'ailleurs, le Bartanoura. Kmo tfous, forme, mélase. Ouais,
vous avez la chance de parler français, quand vous voyez des lases dans Rashi, dans le Barthénois, au moins vous pouvez lire. Des fois vous comprenez, des fois vous ne comprenez rien, c'est normal, c'est du vieux français, et c'est des lettres qui sont perdues et qui ont été modifiées un petit peu en route. En tout cas, là, c'est bien clair, une forme spéciale. C'est-à-dire, ensuite, il nous explique, c'est que Minteva, c'est comme une boîte, vous prenez une boîte carrée, et vous lui supprimez le toit, et vous allez mettre la pâte dedans, de manière que ça va faire une forme comme ça, une forme carrée. Il y a quelques petites discussions, il me semble, j'avais déjà vu ça quand j'avais vu la Gemara il y a 7 ans, à l'époque du Daf HaYomi. Je ne suis pas encore arrivé dans ce Dapim, mais en Daf HaYomi, on y sera avec Hachem d'ici 2 mois à peu près. En tout cas, comme ça, le Barthénois rapporte ici. Donc tu prends une boîte, apparemment c'est une boîte carrée, qui a que ça monte. Au bitfus, haya oseotan, il la mettait dans le tfus, dans ce moule, donc tout simplement. Et donc le pain, il avait une forme comme ça, où il y avait finalement. C'était une forme de boîte comme ça, une boîte qui remontait donc à un fond et ça remontait sur les côtés. Et donc vous avez quelque part comme si les deux formes, les deux côtés se regardent l'un à l'autre. Donc d'où le nom l'échem apanim, le pain aux faces. Le pain parce qu'il y a deux faces qui se regardent, un en face de l'autre. Et urchehu radan, et quand il les descend du four, l'irdot c'est faire sortir du pain du fourneau. Quand il les décolle du fourneau. Parce que je crois qu'il y avait une technique de coller le pain justement sur les parois. Je ne sais pas précisément, est-ce que ce pain-là, il était cuit de cette manière. Il a vu à Yerushalayim, il y avait le fameux Eliyahu Cohen qui existe. Baruch HaShem, j'en ai appris qu'il est encore vivant. Baruch HaShem, à Moussaïov, je l'ai connu il y a 20 ans. C'était déjà un petit vieux comme ça qui faisait cuire le pain, il le collait, comme ça, il rentrait sa tête dans un fourneau brûlant. Et il mettait, là, il collait avec sa main, il réussit, il collait toujours le pain sur le. Sur la paroi du four avec la flamme de l'autre côté, et puis comme ça le pain grillé. D'accord ? Donc, ça, retirer le pain, en tout cas, retirer le pain du fourneau, ça s'appelle l'irdot. Être rodé, pâte minatanour. Descendre un pain du four. Là, je ne sais pas, est-ce que le pain il était cuit en le collant sur le. En tout cas, on utilise le mot pour descendre un pain du four. Donc, urcheur radan, quand il le fait descendre du four, notnan batfus, il devra de nouveau les remettre dans un moule. Kedei shelo itkalkelu, afin qu'ils ne s'abîment pas, qu'ils ne se cassent pas, qu'ils ne perdent pas leur jolie forme originale. Et j'explique un petit peu mieux ce qui se passe. C'est grâce au Barthénois. Le Barthénois nous dit qu'en fait, il y avait 3 moules. Un premier moule pour former, un deuxième moule pour entrer au four, un troisième moule, une fois qu'on le sort, ne pas laisser dans le moule. Vous savez bien que quand on sort du pain, ouais, les femmes le savent très bien, celles qui font le pain à la maison, quand on sort le pain, il faut ensuite le décoller, l'aérer de tous les côtés. Pourquoi ? Parce que sinon la chaleur qui va être posée ensuite, qui va rester posée sur son plateau par exemple, ça va faire qu'il va se mettre à. Ça va créer, ça va condenser, ça risque de mouiller, humidifier le pain et même le faire tourner. C'était un pain qui était consommé d'une semaine à l'autre. On le faisait cuire le vendredi, on verra exactement quand, comment. On le faisait entrer au Beth Amikdash le Shabbat, on retirait les anciens pains de la semaine dernière, les anciens pains de la semaine dernière, on les mangeait. Et ceux-là, ils étaient consommés la semaine d'après. Il y avait un miracle qui ne. Séchait pas, ils ne pourrissaient pas, ils restaient frais, mais quand même, nous on a notre ishtadlout de faire en sorte qu'ils ne vont pas moisir en les laissant avec de l'humidité. Donc de ce fait, la Mishnah me dit, ben, quand tu les ressors du four, tu les places de nouveau sur un. Tu les fais sortir de leur forme, de leur moule, et tu les mets dans un. Tu les places dans un autre moule pour les. Voilà. Et donc ça fait 3 moules utilisés. Pendant que j'ai donné le chiour, je me suis soulevé une question que j'ai pas fait attention quand j'ai préparé le chiour en fait. La Mishnah me dit qu'on les mettait dans le tfous. On parle, apparemment, on ne parle pas que des lechem apanim. On parle même des jetés à lechem. C'est-à-dire, cette halakha là qui avait le lechem apanim, le pain qui se regardait, qui se faisait coucou d'un à l'autre. D'accord ? Ça, c'est sûr, c'était pour les 12 pains, que pour la voda du Shabbat, que le Shabbat on les mettait sur la table qui était au Beth Amikdash, à l'intérieur du Echal, la table en or. Maintenant. Apparemment, la Mishnah semble me dire que même les 2 pains de Shavuot, aussi, ils étaient faits de la même manière. Je n'ai pas vérifié la question. Je verrai Be'ezrat Hashem à l'occasion. Je vous dirai si ça me concerne pour un prochain shiur. Et pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.